Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire voir le kit Ma Vaisselle Zéro Déchet. Donc c'est un coffret, un kit cake vaisselle. Alors je vous fais voir. Donc je l'ai pris sur greenkit.fr. Donc il y a le petit livret pour vous expliquer tout ce que l'on a à savoir pour faire le cake vaisselle. Et à l'intérieur, vous avez le pot en verre. Vous avez les deux lavettes suédoises qui ne rayent pas, mais qui fera briller la vaisselle et tout l'intérieur de chez nous, hein, tout simplement. On a ici la brosse pour la vaisselle à la tête interchangeable. Donc, elle est en fibre végétale. Hein. Elle n'oreille pas la vaisselle. Donc, ça, c'est super. Ça me fait penser à ma grand-mère. C'est ancien. On revient à l'ancien. Hein. On a un petit autocollant. On a ici deux éponges Loofa. 100% naturelle, végétale et biodégradable. Donc, c'est pour l'entretien de votre maison, mais aussi pour le corps. Hein. Donc, ça gratte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, voici les ingrédients pour faire le kit Mon Cake Vaisselle. On a l'acide citrique. On a les cristaux de soude. Et on a, attention, le sodium cocosulfate. Voilà pour le kit. Donc, je vais vous faire voir comment faire le cake vaisselle. Ça y est, c'est parti, on y va. Donc, je me suis équipée d'un masque et des gants, car c'est quand même des produits qu'il faut faire attention, surtout au niveau des cristaux de soude et du sodium cocosulfate. C'est irritant pour les voies respiratoires. À l'état des micro-granules. Donc, il faut les manipuler doucement pour éviter de faire voler. Et donc, on peut allumer la hotte et j'ai aéré aussi la pièce. Voilà. Donc, après, donc quand tout est fait, il n'y a plus de problème au niveau respiratoire. Mais quand vous le fabriquez, il faut toujours bien s'équiper. Alors, c'est parti. Je vais verser le sodium coco. Donc, ils disent aussi de s'équiper de lunettes de protection. Alors, moi, j'ai mes lunettes. Hein, donc, j'ai pas de lunettes de protection, mais j'ai mes lunettes. Donc, c'est des petits cristaux. C'est tout blanc, tout blanc. Je ne sais pas si on voit à la caméra. Je ferai voir dans la casserole. Alors, il faut les manipuler doucement. Hein. Alors. Voilà, donc ça vous, c'est comme ceci. Voilà, après, on verse l'eau. Donc ici, on a 2 cuillères à soupe d'eau. Donc je le verse. Voilà. Je fais chauffer. Ils me disent de faire chauffer à feu très doux et de mélanger en écrasant les cristaux. Jusqu'à obtention d'une pâte molle et malléable. Voilà, ça sera mieux avec ma poignée. Donc, normalement, le cake hein, dure en moyenne 4 mois pour votre vaisselle. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et c'est vous-même qui fabriquez votre produit vaisselle.
Donc ça, c'est très intéressant et c'est surtout naturel. Donc si tout le monde le faisait, il y aurait moins de déchets. Ça serait vraiment super. Là, moi, ça commence à faire... Vous voyez, ça commence à faire une pâte comme ceci. Là, ça commence à faire la pâte, comme il disait, une pâte. Voilà, donc je pense que je vais la retirer. Pour pas trop qu'elle chauffe. Hop. Voilà. C'est un peu... Ça colle à la cuillère. Mais vous voyez... Voilà. Ça fait comme une pâte. Toute molle, qui est sympathique comme tout. Ensuite, j'ajoute l'acide citrique. Voilà, et on va ajouter aussi les cristaux de soude. Donc en fait c'est des tous c'est des petites comme des petits cristaux hein, sauf celle-ci, c'est de la poudre toute blanche. Vous voyez, ça fait ah mince, ça me glisse dans les mains comme ceci, des cristaux de la poudre bien blanche. Voilà, il n'y en a plus. Allez, c'est parti. On remet tout ça sur le feu. Ah, c'est trop marrant parce que ça fait vraiment de la chantilly, quoi. C'est vraiment de la chantilly. Même au niveau de la texture, c'est trop drôle. C'est un truc de fou, hein. Regardez. Ça fait vraiment de la chantilly. Je vais baisser peut-être. Je vais mettre à 2. J'avais mis à 5 depuis le début, mais je pense que ça doit être un peu trop chaud à 5. Hein, parce qu'ils disent à feu doux hein, quand même. Hein. Donc là, j'ai baissé. Là, je vais arrêter et je vais le mettre dans mon petit bocal. Donc, bien mettre le cake. Je tasse bien. Vous voyez, ça va me faire le bocal. J'espère avoir bien fait. Moi, je pense que oui, quand même. Et voilà. Tout est fait. Tout est bien tassé. Voilà. Donc là, vous laissez... Faut laisser sécher et durcir quelques heures. Voilà le résultat. C'est parti pour vous faire voir. Donc j'ai laissé sécher et j'ai laissé sécher mon cake vaisselle. Et là je vais pouvoir le tester et je vais faire ma vaisselle. Donc dans le colis il y avait l'éponge. Donc vous voyez, c'est impressionnant. Je vais vous faire voir comment elle est au départ. Donc toute plate, c'est rugueux. Et la voici après l'avoir mouillée. Et ça lave très bien parce que tout à l'heure j'ai lavé la casserole pour pouvoir m'en resservir. Et c'est très très bien. Alors, c'est parti. Donc, ils disent qu'on peut aussi s'en servir pour le corps. Voilà.
Allez, c'est parti. On va tester. Donc, je prends mon éponge et je viens prendre. Alors, c'est sec, hein? Voilà, faut bien mouiller. Ils disent de bien mouiller. Alors, je ne vais pas en mettre trop parce que je ne connais pas trop. Hop, et c'est parti. Je vais vous faire voir devant. Donc voilà, comme ceci. Et vous passez l'éponge. Vous la mettez bien dedans. Et vous faites comme ceci. Voilà, vous voyez, c'est rempli de produits. Donc ça tient. Je peux vous dire que c'est du solide. Et après... Vous voyez, ça mousse un petit peu. Ça mousse pas fort, hein, mais ça mousse un petit peu. Alors moi, j'aime bien les produits qui moussent beaucoup. Donc peut-être que ça va être un désavantage pour moi. Donc pour l'instant... Écoutez, ah si, ça mousse bien, regardez, ça mousse. Je sais pas trop encore m'en servir, donc c'est la première fois, mais voilà, pour vous dire, donc je vais finir ma vaisselle, je vais pas vous filmer toute ma vaisselle, pour vous dire que, bah, écoutez, je suis satisfaite, je pense que, vous voyez, je vais m'y habituer. Et c'est surtout un bon geste pour la planète. Donc, je vous invite à aller sur leur site. C'est un très bon site, greenkit.fr. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et j'ai oublié de vous parler aussi de cette brosse, voilà, qui est très, très, très pratique. Donc, pareil, hein, vous prenez le produit donc ici même. Et comme ça, vous pouvez après... brosser votre vaisselle comme il se doit. Donc c'est pas facile avec un téléphone à la main, mais c'est très pratique. Et c'était dans le colis. Regardez, là, très pratique. Vous voyez comment ça mousse bien. Et franchement, ça dégraisse. C'est mon shaker où je fais ma vinaigrette. Et c'est très huileux. Et franchement, vous voyez, j'ai fait... le couvercle, d'habitude, il est tout gras. J'ai du mal à ce qu'il ne soit plus gras. Et avec ce cake vaisselle, eh bien, écoutez, j'en reviens pas. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez testé et fait votre propre produit vaisselle. Et qu'est-ce que ça... combien de temps ça vous a duré? Et si vous avez fait comme moi. Et dites-moi aussi si j'ai fait des erreurs. Moi, j'ai suivi à la lettre ce qui était écrit sur le papier. À bientôt pour d'autres tests.